confirmation des MHD. Waouh, quelle bonne nouvelle pour le showbiz français. Aujourd'hui, ce jeudi 16 juillet 2020, demeure une journée inoubliable pour MHD car il a été libéré. Voum. N'est-ce pas une bonne nouvelle ça? On applaudit les gars pour lui. Bravo MHD, tu as été libéré. Alors MHD, bonne arrivée parmi nous les libérés. Prends ta musique à cœur, travaille, nous on va danser. Je te parle depuis la Côte d'Ivoire, je suis le modérateur. Je t'aime bien, mais les histoires des gangs là, pardon, quittez les dents. Il se pourrait que Didier Drogba, l'international DD11, ne fasse pas partie des candidats pour l'élection de la FIFA. On est dans la cour ici, assis par terre. Vous-même, vous savez, l'Afrique, c'est pas comme l'Europe. Parce qu'en Afrique, il existe beaucoup de choses, beaucoup de choses. Oui, oui, il est le vice-président de l'AFI, c'est-à-dire l'association des footballeurs ivoiriens. Vice-président. Et puis on change les tests sans rien lui dire. Et un coup comme ça, et ils ont les candidats. Drogba n'est pas les candidats. Ah! Pourtant, les tests disent que si un membre de l'AFI est candidat, on le soutient automatiquement, sans réfléchir. Mais eux, ils ont réfléchi, ils ont changé les tests. Ils disent que Drogba ne peut pas avoir leur soutien. Pourtant, en Angleterre, eux, ils rêvent. Didier Drogba a été immortalisé en Angleterre. Didier Drogba est un roi en Angleterre, dans le monde entier. Quand il est parti en Chine, on sait comment les Chinois l'ont accueilli. Quand il est parti au Qatar, comment les Qatariens l'ont accueilli. Quand il est parti aux États-Unis, on sait comment les Américains l'ont accueilli. Oh! Tout est gâté. Didier Drogba, si c'est moi là, il va me retirer de ça là. Pour éviter, voilà. Il me retire et puis il les laisse faire. De toute façon là, et les femmes vont jouer aux compétitions, non? On va se voir. Aménaï. Bonne nouvelle pour Ozoa, la fille de papa Kalou Paul. Moi-même, mon père, moi, depuis 91, je l'étais à la soupe. Kalou Paul. Elle a été reçue. Oui, reçue. Par éloge. Reçue par une chaîne. Oui, mais j'ai dit le nom, j'ai fait publicité. Là quoi? On sait jamais, peut-être eux aussi, ils peuvent m'appeler pour être chroniqueur un jour. Où est? Life TV l'a reçue. Éloge l'a reçue. Aujourd'hui, là, toute la Côte d'Ivoire sait ce qu'elle pense. Et moi, j'ai trouvé que c'est une dame choc. Une dame magnifique qui a la joie de vivre. Elle mérite même ce buzz-là. On honore en même temps son papa qu'elle a perdu depuis 29 ans. Oh, Tati, on est avec toi. Que Dieu te bénisse, qu'il t'élève toujours. Mais ton buzz-là, il faut prier Dieu, ça va tomber un peu sur nous aussi. Ouais. La page-là, on doit atteindre 100 000 abonnés. Sans oublier les millions de vues, quoi. C'était moi le modérateur.